Bonjour, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un chocolate mud cake. On continue dans la série des gâteaux de base pour le cake design. Celui-ci, c'est un gâteau au chocolat que je fais assez souvent, sauf si j'ai besoin de quelque chose de compact et de consistant. Je n'utiliserai pas cette recette. C'est un choix personnel, je trouve qu'il est... Justement, mud cake, c'est quelque chose qui est très friable, il n'est pas compact. Donc pour un gâteau à étage ou quelque chose qui a vraiment besoin d'être découpé même, j'utiliserai pas cette recette. Sinon, pour le reste, il n'y a aucun souci. Je vous avais pas fait de tuto pour ce gâteau en question, mais j'avais fait cet été pour l'appel de l'école de mes enfants un gâteau potager et justement, je trouvais que ça s'y prêtait très bien. Il était goûteux le gâteau, il était bon, il était moelleux. Et donc, c'était parfait pour ce genre de recette. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Donc là, on va commencer pour cette recette. Il nous faut 220 g de farine, 30 g de cacao amer, 200 g de chocolat noir, 250 g de sucre, 250 g de beurre, 3 œufs, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 100 ml de lait, 8 g de levure chimique. On va faire fondre le beurre et le chocolat. Alors moi, je les fais fondre au micro-ondes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire, faites-le au bain-marie. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord verser le chocolat. Ensuite, je verse le beurre fondu. Et je mélange un peu avant d'y ajouter le sucre. Voilà, juste un tout petit peu. Et maintenant, je mets le sucre. Et je mélange. On va battre les œufs. Et les ajouter au mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute la vanille. Et le lait. Et on mélange de nouveau. Et maintenant, je vais mettre la farine, la levure et le cacao. Et on mélange bien. Voilà. Voilà, ça c'est la texture que vous voulez obtenir. Vous beurrez et vous farinez votre moule, vous utilisez du spray de démoulage. Et ensuite, hop, on verse notre appareil à l'intérieur. Ça, on le met au four et on fait cuire à 160 degrés pendant une heure, donc 60 minutes. Donc, voici mon chocolate mud cake, il est prêt, donc je vais le découper comme je suis d'habitude pour vous montrer l'intérieur. Donc voilà, ça c'est fait pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle recette.